Qu'est-ce que j'entends, bon sang, mais c'est Link! Et non pas en train de chevaucher Epona, mais en train de chevaucher un kart comme dans Mario Kart. Ça, c'est curieux. Non, c'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui, on va regarder Mario Kart 8 avec le DLC qui permet de jouer avec Link notamment et d'autres personnages. Je suis très content d'avoir le kart de Link. Déjà, j'avais son épée, une épée magnifique. Tiens, je vais vous la refaire voir. C'est Agnès, une fille que j'ai rencontrée à Nîmes, une spectatrice qui me l'a offerte. Elle l'a fait elle-même avec ses petits doigts. C'est juste incroyable, une reproduction parfaite de l'épée de Link. Un truc de fou furieux, et même le symbole de la Triforce dessus. Regardez, le pommeau est gravé, c'est juste super. Donc merci Agnès pour ce petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Vous m'offrez toujours des cadeaux incroyables hein, sur les salons, pas que de la pâte à tartiner chocolatée, c'est assez incroyable. Enfin bon, on n'est pas là pour parler des cadeaux que vous me faites, même si j'en profite pour vous remercier au passage. On est là donc pour parler des DLC de Mario Kart. Alors regardez, Mario Kart à la base c'est ça, on peut jouer en mode solo. On va faire le grand prix et je vais me mettre en 150 cm3 parce que je n'ai peur de rien. Et regardez, il y a des nouveaux personnages dans le DLC. Donc Link, on vient de le voir. Il y avait aussi Mario dans son petit costume ridicule. La princesse Peach en costume de chat, ça valait pas mieux. Donc c'était une première partie du DLC qui était sortie il y a quelques mois où on trouvait des nouveaux personnages et des nouveaux circuits. Et maintenant, il y a encore de nouveaux personnages. Moins funky, hein. Le villageois d'Animal Crossing, on s'en fout un petit peu. Vous avez même le choix entre le villageois ou la villageoise. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Ou alors, vous aviez aussi... Ah, j'ai appuyé un peu vite, décidément. Voilà, vous aviez aussi Marie d'Animal Crossing, qui est une espèce de petit chien ou je ne sais quoi. Et puis Bowser sous forme de squelette. On va faire une petite course avec Link. Regardez comme il est beau. À bord d'une Mercedes, parce qu'il y a eu aussi un DLC où on proposait des Mercedes. Là, j'ai le droit de dire la marque, puisque vraiment, c'était le DLC qui permettait d'avoir de nouveaux véhicules de cette marque. Bon, est-ce que c'est plus... Je sais pas si c'est très bon pour eux, au niveau publicité, d'avoir leur voiture dans Mario Kart. Est-ce que c'est maniable? Est-ce que ce sont des voitures puissantes? Ben, on va voir. Allez, je garde celle-là. J'aime bien son look un peu rétro. J'ai mis des petites roues et un des nouveaux parachutes. Avec la tête de Wario, mais on dirait un peu Angry Bird, je trouve. Voilà. Alors, les nouveaux circuits, ça s'est fait en deux étapes. D'abord, il y a eu ces huit premiers circuits. Donc, ces quatre-là qui sont issus de, bah, comme toujours, de vieux trucs. Par exemple, le circuit Yoshi qui nous rappelle le temps de la GameCube. L'arène d'Excite Bike, pourquoi pas, exciteur de chèvre, n'importe quoi. Qui nous rappelle aussi des bons souvenirs. Route du Dragon et Mute City, inspirés de F-Zero, qui étaient des nouveaux circuits. Et puis il y avait la mine Wario que j'adorais sur la Wii qu'on retrouve, la route arc-en-ciel qu'on détestait tous sur la Super Nintendo à la grande époque, et puis des nouveaux circuits comme Station de la Gla et Circuit d'Hyrule. Ceux-là sont sortis il y a quelques mois, donc moi aujourd'hui je vous propose de faire les deux tout nouveaux championnats qui viennent de sortir avec ces 8 nouveaux circuits. Donc allez, trêve de blabla, j'y vais. Je rappelle que je suis en 150 cm3, je n'ai peur de rien. Allez, maintenant, pour ceux qui n'ont vraiment peur de rien, il y a aussi une nouvelle catégorie, c'est le 200 cm3, et oui, carrément. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir, c'est horrible, parce qu'il fallait avoir toutes les coupes en or en 150 cm3 pour avoir le droit d'ouvrir le 200 cm3. Et j'ai pas eu le temps de le faire avant le tournage de l'émission. Croyez-moi, je vais m'en occuper juste après, mais j'ai juste pas eu le temps de le faire. J'ai eu le temps d'avoir ces deux championnats en mode or. Je suis assez fier. Petite coupe en or. Donc on va voir si devant vous, j'arrive à être aussi brillant que je l'ai été quand vous n'étiez pas là. C'est toujours le même truc. Bon, déjà, j'ai fait un démarrage qui n'était pas au top. Mais je fais un petit virage qui est pas mal et je me retrouve en troisième position d'entrée. Donc ce circuit, souvenez-vous, c'était sur la GameCube, il était assez incroyable. C'est juste un anneau, on peut pas faire plus simple en fait, mais ça fonctionne super bien. Tout se joue évidemment sur le dérapage et la façon de serrer les virages à chaque fois qu'on arrive en bout de piste. Voilà, là j'ai mordu juste sur le truc. On va voir si ça tient parce que évidemment c'est la grande injustice de Mario Kart. Vous pouvez faire premier pendant tout le parcours et vous faire bouffer sur la ligne d'arrivée avec une coquille bleue ou rouge ou ce genre de truc de traître, évidemment. Voilà, ils m'en veulent, ils n'aiment pas que je sois premier. Il y a 7 tours à faire, on en est au 4e, pour le moment ça se passe bien. Voilà une coquille bleue qui vient sur moi, remarquez bien, alors que j'étais 2e et non plus premier. Ça fait partie aussi ça des injustices. Normalement, la coquille bleue va sur le premier de la course. Elle va sur le premier de la course au moment où elle est lancée. Si le mec se fait doubler, ça sert à rien. Ah, là j'ai un petit boomerang, ça fait partie des nouvelles armes de ce Mario Kart 8. Et il m'est pas d'une grande utilité.
Je ferais mieux de me concentrer sur les virages. Voilà, ça y est, me revoilà à nouveau premier. J'ai pris un petit booster, ça fait pas de mal. Allez, ça va être le dernier tour. Vous avez remarqué que quand je me cogne à quelqu'un d'autre, ça me permet d'accélérer, ce qui est assez génial. Tout ça parce qu'on est en mode overboard, là, on est en train de survoler la piste. Ouh, excusez-moi, j'étais concentré, mais je suis premier, vous noterez. Ça n'arrive pas à tous les coups. Oui, parce que quand on est en mode overboard, comme ça, heurter les autres vous donne un peu de vitesse. Alors que quand on est en mode avec des roues normales, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Voilà, ça fait partie des petites nouveautés sympas. Donc c'est bien d'avoir ces nouveaux circuits. En plus, ça coûte 12€. Donc c'est ce DLC qui était en deux parties. Donc je ne sais plus combien ça fait. Ça fait 16 nouveaux circuits quand même. C'est pas rien. Les persos, on s'en fout un peu. C'est plutôt cosmétique. Ça apporte pas grand-chose. Mais c'est quand même sympa de pouvoir conduire avec Link. Et puis il y a des niveaux qui sont superbes, comme le monde d'Hyrule est vraiment fabuleux. On retrouve tout l'univers de Zelda dans une course de Mario Kart, ça fait plaisir. Alors là, regardez, je crois que c'était un niveau de la Game Boy Advance, je me souviens plus trop. Un niveau avec du fromage, tout est en fromage. On va passer à travers les trous du Gruyère, il y a quelques raccourcis. Et on va essayer de faire pas un score déshonorant. Ce serait pas mal, puisque je peux pas vous montrer le 200 cm3. Mais c'est vraiment une question de temps, je vous assure. Sinon, je l'aurais fait, évidemment, avec grand plaisir. Mais voilà, en tout cas, déjà en 150, je peux vous dire que ces 8 nouvelles courses sont assez difficiles. Franchement, c'est pas évident. Mais elles sont rigolotes, comme tout. Regardez ça. Il y a du fromage. Regardez à droite, il y a un petit tremplin. Si j'avais eu un accélérateur, j'aurais pu passer sur ce tremplin. Ça me fait un chouette raccourci. Voilà. Et puis ça zigzag, faut un peu maîtriser le dérapage pour arriver à quelque chose. Bien utiliser ces espèces de bornes qu'on voit de temps en temps qui permettent aussi d'accélérer quand on les frôle. Ça aussi c'est une nouveauté. Enfin vraiment, quand on y pense, il est super ce Mario Kart 8. C'est peut-être le meilleur de tous les temps. Pour moi, j'avais coutume de dire que c'était celui sur DS, le premier Mario Kart sur DS, parce que c'était un best-of de tous les Mario Kart de tous les temps. Mais là, ils ont repris ce principe de best-of et ce principe de nous resservir des circuits qu'on aimait bien, mais avec évidemment les graphismes enfin réussis de cette version, parce que ça faisait longtemps que Mario Kart était à la ramasse par rapport aux autres consoles. Là, vraiment, on a quelque chose qui est aussi beau que ce qu'on pourrait avoir sur une Xbox One ou une PlayStation 4. Je vais peut-être m'en débarrasser de cette bombe avant qu'elle me pète à la figure, parce que je m'aperçois que je parle, et puis évidemment, pendant ce temps-là, je suis sixième. Alors que c'est pas la course la plus difficile. Ah, il me file tous les bonus, alors ça je déteste en fait. Donc je préfère me débarrasser de tout, vu que j'ai pas le temps de... Oh, je l'ai vu cette bombe pourtant, je l'ai vu. En fait, quand on est concentré sur la piste, on peut pas être concentré sur tous ces bonus qui vous tournent autour et choisir le bon bonus au bon moment. Donc moi, en général, je me débarrasse de tout en même temps. Comme ça, ça m'éclaircit la vue et c'est quand même beaucoup mieux. Bon, me voilà premier, ça va peut-être pas durer. On n'est pas très loin de la fin de la course, je récupère quelques pièces. Dans cet épisode, des pièces vous permettent de gagner en vitesse. Plus vous avez de pièces, plus vous allez vite. Ouhou. Voilà. Allez, je vais enchaîner mes deux petits virages. Donc vous voyez, ils sont beaux ces circuits, ils sont magnifiques, ils sont sympas, ils sont drôles. Enfin bref, voilà. Du grand Mario Kart comme on l'aime. Et je trouve que ces nouveaux circuits sont très très réussis. Voilà, premier aussi. Je rappelle que je suis en 150 cm. Vivement le 200. On se marre un peu. Mais vraiment, faut lutter. Hein. Déjà en 150, faut lutter. Est-ce que je vais finir médaille d'or? Pour le moment, je suis premier au classement. Je suis pas peu fier, je vous le cache pas. Et on va attaquer la course suivante. Donc toujours vraiment des beaux décors. Ça fait plaisir de voir un beau Mario Kart, en fait. Parce que voilà, du temps de la Wii, c'était du niveau d'une GameCube, techniquement. De la génération d'avant, donc. Donc c'est la première fois qu'on a un Mario Kart qui est digne de sa génération de console. Et ça fait quand même super plaisir. Allez, on y va. Alors par contre, l'utilisation de la manette, regardez, c'est juste le klaxon. Hein. Ça me sert juste à klaxonner. Alors ok, ils ont dessiné la Triforce dessus. Je sais pas si vous le voyez, je vais peut-être plutôt regarder la route, mais voilà, c'est quand même un peu léger l'utilisation de la manette du New Gamepad. On peut aussi l'utiliser comme un capteur de mouvement pour tourner, comme on le faisait avec la Wiimote, éventuellement. Voilà. Moi, je déteste ce mode de contrôle, mais il y en a qui adorent. Et quand on joue en ligne, on voit qu'il y en a pas mal qui jouent avec ça, ou même avec les manettes de la Wii à l'ancienne.
Voilà, parce que j'ai remarqué que les Japonais étaient très forts avec ça. Les meilleurs joueurs de Mario Kart jouent carrément avec le petit volant merdique, souvenez-vous de la Wii. Quand on jouait avec la version Wii, c'était ça. On pouvait voir que les mecs jouaient avec le volant en plastoc, tout pourrable, le truc pour les gosses. Et bah pourtant, les meilleurs joueurs du monde l'utilisaient. Est-ce que c'était par défi? Est-ce que c'était un handicap? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, en ligne, souvent, je suis tombé sur des mecs très très forts avec cet ustensile du diable qui me paraissait, moi, un peu compliqué à gérer. Alors, j'ai quelques petites fleurs à envoyer à notre ami Donkey Kong, histoire de lui passer l'envie de me passer devant. Voilà. Et puis alors, au niveau du gameplay, on retrouve vraiment tous les bons petits trucs de Mario Kart, c'est-à-dire le fait de sauter en haut d'un tremplin, hop, pour gagner un peu de vitesse, pour gagner un petit booster. Évidemment, le streaking, les petits dérapages qui vous permettent d'avoir un peu de boost. L'aspiration, enfin vraiment, cet épisode cumule toutes les bonnes idées de tous les épisodes précédents. Sauf celle de Mario Kart Double Dash, que j'aimais bien moi, mais que personne n'a aimé. Personne n'aimait l'idée d'avoir deux mecs à bord d'un kart et de switcher entre les deux. Pourtant, ça faisait des trucs assez sympas. Mais je suis seul à avoir aimé, je ne vais pas me plaire. Bon, allez, je continue. Je suis premier, il faut vraiment que ça dure. J'ai une coquille rouge au cas où ça tournerait mal d'un coup. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri dans Mario Kart. C'est aussi ça qui est drôle. C'est que, bah voilà, me voilà réduit en miettes par quelqu'un qui devait être visiblement très loin pour se permettre à tour pendable pareil. Ben voilà, voilà. Ouf. Vous regardez le klaxon, voilà. J'en profite pour faire le klaxon. Voilà, c'est rigolo. Encore une fois, j'ai hésité. Hein. Je me suis dit, est-ce que je me mets lâchement en 100 cm cubes pour vous montrer des choses, pour pouvoir parler en même temps? C'est jamais facile de parler et jouer en même temps. Vous le savez depuis le temps, vous me connaissez. Mais le problème, c'est qu'en 100 cm cubes, là, j'étais carrément trop fort. On voyait plus les autres personnages, il n'y avait pas vraiment de bagarre. Donc je me suis dit, allez, je me mets en 150. Et puis peut-être que s'il y a un autre DLC, j'aurais débloqué d'ici là le 200 cm cubes et je pourrais me la péter. Pour une fois qu'il y a un jeu où je suis à peu près bon. Je vais pas dire non. Je suis moins mauvais que dans les autres jeux en fait. Mario Kart, ça, depuis le temps, depuis toutes ces années, je maîtrise. Et puis c'est toujours un plaisir de retrouver ce jeu. Alors regardez, ça c'est l'univers d'Animal Crossing sous la neige. Sachant qu'à chaque fois que vous faites une course, la saison change. Vous pouvez être en été ou alors en automne avec des petites feuilles qui tombent et tout. Là, bah voilà, mais cette fois c'est en hiver. Je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est un cycle. Je pense que c'est un cycle de saison. La dernière fois que j'ai joué, ça devait être l'automne. Donc là, on se retrouve en hiver. Et si je rejouais une fois d'après, bah, ce serait sûrement au printemps, à l'été. Enfin voilà. Et regardez comme c'est beau. Et écoutez cette petite musique guillerette. Je trouve la musique très, 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 très réussie. C'est mignon, non, comme musique? J'aime beaucoup. Allez, une petite coquille rouge pour le gars qui est devant. Elle a mis du temps à la trouver, mais elle l'a trouvée quand même. Et je suis 3, c'est pas si mal que ça, vu que j'ai fait. J'ai plutôt été brillant sur les deux premières courses, faudrait pas que je m'effondre. Ah, l'appel de la banane, elle n'est pas passée loin. C'est ce qu'on se disait avec Aurélia tout à l'heure en road trip, j'étais irrésistiblement attiré par des bananes. On peut pas s'en empêcher, on la voit arriver à 20 km et pourtant, on finit par taper dessus. On peut pas s'en empêcher. Voilà, c'est joué au millimètre près. Oh là là, tout le monde me double. Tiens, bah, alors, petite coquille rouge pour remettre un peu les choses au point. Voilà, bien choper un cadeau. Ah bah voilà, 3 coquilles rouges. Il est plutôt sympa avec moi parce que quand moi j'ai joué tout seul et que je m'escrimais à essayer d'ouvrir les médailles d'or dans les championnats, croyez-moi, il était impitoyable, il ne me filait jamais les bons bonus en fait. J'ai vraiment dû lutter pour arriver à quelque chose parce que il était pas du tout généreux avec moi. J'ai vraiment lutté pour arriver à avoir les médailles d'or dans ces deux courses. C'est pour ça que je m'étonne moi-même de voir pour le moment tout se passe plutôt bien et que vous avez des chances de me voir finir sur un podium. Alors que d'habitude ça n'arrive pas quand vous me regardez. Vous m'intimidez, vous savez comment c'est. Allez, un petit cadeau mais. J'ai pris un peu bas, sympa, un accélérateur très bien, la banane, non, 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 ça y est, oh là là, puis alors ils en profitent tous, j'ai eu un petit moment de faiblesse et je vais le payer très cher, je sens, voilà, lui il a deux accélérateurs, autant dire que tu vas bien me laisser sur place, oh là là, si je me mange les bonhommes de neige en plus,
Alors là, je tente une petite coquille verte pour voir le chemin. Non, en sixième, c'est pas terrible. Après, on va voir ce que les autres ont fait au classement. Est-ce que je suis toujours premier du classement? 52, j'ai une petite avance. Mais il ne faut pas crier victoire. Jamais, jamais dans Mario Kart. Mais quand même là, je peux crier victoire parce qu'on va voir que je suis sur le podium. Et peut-être même, mais oui, médaille d'or. Médaille d'or, mesdames, messieurs, mais oui, Rodriguez, j'ai envie de dire. J'ai même pas préparé le chapeau poulet, tellement j'étais sûr de moi et confiant. Ça fait plaisir. Alors on voit évidemment les meilleurs moments de la course. C'est quand même classe, il est vraiment beau, il est vraiment beau ce Mario Kart. Et on va voir ma médaille, ma coupe, parce que vraiment, je l'ai méritée. Et oui, elle est bien en or, mesdames, messieurs, avec l'ami Link. Très bien, et puis en plus, j'ai ramassé un nouveau véhicule, un nouveau élément de personnalisation. Très bien, et ben, on va aller personnaliser notre véhicule. Je vais refaire une deux... Ah non, 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 juste avant, je voulais vous voir un truc. Les Amiibo, pourquoi ça sert à rien, les Amiibo? C'est important quand même, parce qu'on nous bassine avec ça et moi je trouve que c'est inutile. Voilà à quoi sert un Amiibo, je prends la figurine de Mario, je la mets là. Et qu'est-ce que j'obtiens? Un nouveau costume de Mario pour mon Mi. Waouh, super, ça va peut-être un circuit. Non, 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 un costume simplement. Si je mets Kirby par exemple maintenant, alors, en plus je l'ai déjà ouvert, donc voilà pourquoi ça s'affiche comme ça. Si je mets Kirby, j'obtiens un nouveau costume de Kirby pour mon Mi. Excellent. Et si je mets Pikachu, là, parce que tous les Amiibo sont censés servir à quelque chose, cet Amiibo n'est pas compatible avec Mario Kart 8. C'est-à-dire que non seulement ils ne servent pas à grand-chose, les Amiibo, mais tous les Amiibo ne font pas quelque chose dans les jeux. Donc, moi, je dis, gardez vos sous. Les figurines sont magnifiques, regardez. Elles sont superbes. Donc, pour les mettre sur une étagère, c'est superbe, franchement. Et moi, je les ai mis sur une étagère et j'adore. Mais dans un jeu, je trouve ça inutile. Et le niveau d'interaction dans les autres jeux qui utilisent des Amiibo est à peu près du même niveau. Ça sert quasiment à rien. Et c'est quand même très, très cher. Donc, moi je dis, monsieur Nintendo, faites-nous une bonne fois pour toutes un Skylander avec vos Amiibo et là tout le monde sera content. Je vais prendre la petite Marie, je l'aime bien finalement. Je me suis attaché à cette bestiole. Ah, et alors qu'est-ce que j'ai ouvert? Une carte avec une cerise dessus. Je vais prendre un carte, elle avait un petit carte d'Animal Crossing qui me faisait bien rire. Je vais essayer d'aller le trouver. Voyez, tout c'est. Voilà, regardez, vraiment ça ressemble à rien. C'est top. Alors on peut vérifier aussi. Les caractéristiques, bah, pas choisir que en fonction de l'esthétisme, voilà, prendre ces gros pneus. Voilà, et ça, oh, ça c'est joli en plus, c'est beau. Allez, on est parti et on va tenter ce championnat qui commence par ce qui pour moi est le pire circuit de Mario Kart de tous les temps, le plus dur en tout cas, parce qu'il est sympa, mais il est infernal. Il y a un virage notamment qui est de toute l'histoire des Mario Kart, le virage le plus pourri. Mais de tous les temps, mais vraiment. Il faut enchaîner deux trucs et il n'y a pas de rebord, de dérapage et pas de rebord, et c'est juste l'enfer. Voilà, coupe pas police. Allez, souhaitez-moi bonne chance parce que là, je vais en avoir besoin, les petits amis. On est parti avec la petite Marie et son klaxon en forme de cerise, regardez. Ah, mais du coup, j'en oublie de faire un démarrage canon. Bah, ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Allez, j'y vais, je dérape comme un forcené pour gagner un peu de boost. Et alors là, je peux vous dire que c'est hyper tendu parce que les virages sont très serrés, on n'a quasiment pas le droit à l'erreur, faut bien enchaîner ces petits dérapages. Voilà, pas trop faire gaffe aux autres, parce que je me suis un peu cogné contre le mur. Ça me plante ma petite séquence. Voilà, on arrive au virage de la mort, qui est juste celui-là. Voilà, voilà, bah ça y est, je l'ai raté. J'arrive à bien enchaîner maintenant, mais souvent ça finit dans le vide. Pour peu que les autres salauds viennent vous pousser évidemment à ce moment-là, eh bah, c'est juste l'enfer. Voilà, on va essayer de se rattraper. Je vais les cuire avec des boules de feu. Ça va les calmer. Mais en tout cas, même s'il est dur, ce circuit, je pense que c'est un des plus durs, il est vraiment super beau avec cette espèce de pluie. Ah mince, alors ça je déteste. Et puis c'est pas le moment d'avoir un... Oh merde, c'est pas le moment d'avoir un accélérateur en plus dans tout ça. Ah là j'ai l'invincibilité. Ça par contre c'est sympa, je prends. Ça va me permettre de remonter, sauf que je me laisse aller et j'oublie d'enchaîner mes virages artistiquement. Allez, deuxième passage du virage de la mort. On va voir si ça passe ce coup-ci. Voilà, faut serrer les fesses à chaque fois, je me demande si je vais passer ou pas. La caméra va se foutre juste derrière une rambarde, ce qui fait que vous ne voyez pas bien si vous êtes vraiment bien parti en dérapage ou pas. Oh, la banane, la banane, la banane, la banane.
Donc voilà, il y a des petites difficultés comme ça. Parfois, c'est assez chaud. Bon, quand même premier, j'oscille entre premier et deuxième. Il y a Toadette là qui me fait chier, je le vois bien. Bon, enfin, venant d'un personnage qui s'appelle Odette, hein, on va pas. avec un prénom si ridicule, franchement, je vois pas pourquoi elle vient m'empêcher de finir premier. Bon, quelqu'un nous a en plus rétréci, ce qui est vraiment pas sympa. Écoutez la musique. Quand on est rétréci, la musique chavire un petit peu. Je trouve ça assez rigolo. Allez, là, j'enchaîne bien. Mon dérapage, hop, le virage de la mort. Oh non, 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 oh là là, j'allais bien passer la première fois. Oh, ça va me coûter ma deuxième place, voire plus. Là, j'ai intérêt à bien, bien jouer. Si je veux rattraper le coup, j'ai un truc pas mal pour gober les autres, mais ça suffira pas parce que je ne les rattraperai pas. Voire même, ils vont me pourrir la vie. Ok, bon, hein, fut un temps, j'étais premier et deuxième. Et ça n'a pas duré malheureusement. Allez, deuxième course. Donc voilà, celle-là, vraiment, pour moi, c'est un cauchemar. Peut-être même pire que la route arc-en-ciel, qui est quand même un truc qui fait vomir tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'essayer de la route arc-en-ciel avec l'Oculus Rift, c'est le casque de réalité virtuelle. Et croyez-moi, c'est un grand moment. Et je n'ai pas vomi. Alors ça prouve que l'Oculus Rift, sur moi, n'a pas d'effet vomitif. Alors qu'à certaines personnes, au bout de deux minutes, elles n'en peuvent plus. Alors j'adore ce circuit, je le trouve magnifique. Il vient de la Game Boy Advance, c'est un de mes préférés déjà à l'époque. Et il est superbe. Il est super, regardez, c'est un peu micro-machine. C'est des jouets en fait. On se retrouve au milieu d'une chambre d'enfant avec des jouets de tous les côtés. Et le circuit est super bien foutu, en plus d'être joli. Il est vraiment malin et très agréable avec des raccourcis assez marrants à prendre. Pas facile à prendre par contre, j'y arrive pas toujours à les choper comme il faut, mais ça marche super bien, je trouve ce circuit vraiment excellent, c'est un de mes préférés de ce nouveau DS. Oh, allons-y doucement. Donc là il y a un petit raccourci à droite, est-ce que j'essaie de le prendre? Allez, on va essayer juste pour vous faire voir, voilà, parce que ça passe pas tout le coup, il y en a un deuxième sur la droite là, mais je voudrais pas être trop présomptueux, donc je vais éviter tant que j'ai pas vraiment besoin de les prendre. Parce qu'il y a une chance sur deux que ça rate avec moi en tout cas. Donc il faut vraiment les prendre que en cas d'extrême nécessité, quand vraiment tout est foutu, ça vaut le coup de prendre le raccourci. En tout cas pour moi, hein, c'est... avec l'entraînement évidemment on arrive à le prendre à tous les coups. Donc là la question se pose plus, mais moi j'ai encore pas assez d'entraînement pour pouvoir être sûr de moi sur ces raccourcis. Il y a de la coquille verte qui part là, je suis assez fier de moi, parce qu'elle n'était pas... Elle n'était pas téléguidée, mais elle atteint sa cible quand même. Oh, dis donc. Alors, comme c'est une route en forme de ruban qui monte et qui descend, on peut, au sommet du... Vous voyez, quand ça saute comme ça, quand le ruban remonte, ça fait quand même un petit tremplin et on peut faire une petite cabriole en haut du tremplin pour récupérer un peu d'accélération. Bon, en parlant d'accélération, il serait temps... Je me manie un peu la rondelle parce qu'elle me voit la quatrième et ça ne va pas du tout. Oh, un foutu dehors, Waluigi. Oh là là, tout le monde en profite et on m'empoulpe. C'est pas très sympa. Oh là 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 là, vous n'êtes pas des chics camarades, les amis. Oh, ça va me coûter ma médaille. Ça va me coûter ma médaille, cette histoire. Il faut que je me ressaisisse. Mais c'est pas... Oh là là, la coquille rouge dans le dos. Oh là 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 là. Ah, magnifique, magnifique. En même temps, avec l'intelligence artificielle, se laisse pas faire. Et c'est assez aléatoire. Il y a des fois où vraiment ils vont pourrir la vie, ça va être l'enfer. Et des fois où ils foutent à peu près la paix. On peut jamais savoir. Bon, là, c'est un peu cuit. Donc, je vais tenter le double raccourci. Celui-là. Et celui juste après. Mais il est raté. Oh, dommage. Mais au moins, vous l'aurez vu. Vous aurez vu où il est. Vous me prendrez à ma place. Oh, oh, ça tangue. Ah, un petit truc. Ah, je l'ai mal utilisé, quel dommage. Oh là 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 là. Oh non, non, ouais, bon, c'est mérité là. J'ai été puni et c'est mérité, croyez-moi. J'aurais pu profiter beaucoup mieux de ce truc. Alors, ça me met quoi au classement général? Oh, cinquième, c'est pas terrible du tout. Autant j'ai brillé sur la première course, autant là, je me suis éteint, on peut le dire, carrément. Voilà, donc bon. Pour 12€, vous avez quand même pas mal de nouveaux circuits, des nouveaux personnages, des nouveaux véhicules, ça on s'en fout un petit peu. Mais les circuits sont top. Vraiment, ça rallonge la durée de vie de ce Mario Kart, qui est déjà,
éternel, comme tous les Mario Kart. Moi, je joue encore à Mario Kart sur DS. Quand je prends le train ou l'avion ou le bus avec des potes, on fait des petits Mario Kart tous ensemble. Donc celui-là, t'es pas prêt de vieillir non plus. Il est quand même assez fabuleux. Là, on va être dans un circuit qui se déroule dans le métro. Donc on commence un peu sur les quais et ensuite on va descendre sur les voies. Et ça rappelle vraiment... vous vous souvenez, je crois que c'était sur Nintendo 64, l'autoroute Toad, où il y avait des camions qui encombraient la route. Bah là, regardez, c'est des wagons de métro qui encombrent la route. Et il faut essayer de ne pas se les taper. Ils circulent en plus, donc ils ne sont jamais deux fois au même endroit. Il faut vraiment être très prudent. Et tiens, bien, de la coquille rouge, ça me fait bien plaisir. Voilà. Et il faut improviser à chaque fois en fonction de l'endroit où vous arrivez et est-ce que le métro de 8h40 est là ou pas. Ça, c'est tout un art. Voilà. Mais c'est un art de l'improvisation. C'est aussi ça qu'on aime avec les Mario Kart. On peut apprendre à connaître chaque virage par cœur et les meilleures trajectoires. Mais il y a aussi l'improvisation avec ce qui se passe entre les crasses que vos camarades vous envoient et le décor qui bouge. En l'occurrence, là, ce petit wagon de métro. La move la première, j'ose plus rien dire. Ça se trouve, ils ne s'en sont pas rendu compte que j'étais premier, donc ils me laissent faire, mais... Je suis premier avec deux coquilles rouges, avec une coquille rouge maintenant. Donc heureusement, ils m'en ont laissé une. Hop. Ça rappelle, oh là là, encore le... Ouais, j'aime pas en faire, ça m'arrange pas, ça. Voilà, je balance tout, tant pis. Et adieu. Je suis trop concentré sur la route, j'ai pas le temps de me concentrer sur quel bonus utiliser, à quel moment, etc. Oh là là, tout à coup, il m'aime bien. Après le bonus de la mort, le cumul des 8 bonus, j'ai droit carrément à 4, à 3, 3 champis. Et je vais les gâcher bêtement en allant me fourrer, mais quel abruti. Sur... deux fois tiré sur le... Sur le métro, mais c'est pas vrai, j'étais bien parti. En même temps, là, franchement, je mérite ce qui m'arrive. Je mérite. C'est ce que je dis toujours. Des fois, c'est injuste, puis des fois, c'est très juste. T'es mauvais. Là, je vais tenter ce petit raccourci. Oh la vache! Ils m'ont coincé dans la pelouse, les salauds! Oh! Sinon, ça pouvait passer, j'aurais pu gagner une ou deux places. Mais ils m'ont bien, la pelouse vous ralentit évidemment, puisqu'on s'englue un peu dans l'herbe. Et en plus, ils m'ont achevé dans la pelouse. Bon, ben voilà les petits amis, je crois que... Ouais, il reste encore une course. Je vais me refaire, comme les pirates dans Astérix. Ils se refont jamais, mais ils y croient. On va faire cette dernière course et puis après, on va se quitter. J'espère que ça vous aura donné envie de lâcher 12€ pour ces DLC. Franchement, ça les vaut, tous ces circuits pour pas grand-chose. Enfin, c'est le prix d'une place de cinéma en relief. À Paris, parce que je sais que dans les autres villes, c'est pas le même prix. Et c'est des heures et des heures de rigolade avec ses potes. Parce que là, je joue tout seul, évidemment, mais Mario Kart, ça se joue aussi à plusieurs, et surtout à plusieurs. Voilà, mais bon, là, je trouve que j'avais pas d'appui. Mes amis travaillent. Et donc, je me retrouve obligé de jouer tout seul à Mario Kart. Je joue en ligne, hein, je vous rassure, mais voilà. Donc là, on est dans un circuit que je trouve magnifique, qui rend hommage à F-Zero. Enfin, même dans Wipeout, hein, par moment, il est juste super avec une musique hyper classe. Je vous laisse écouter la musique 2 secondes. C'est pas de la bonne musique rock'n'roll ça. C'est marrant qu'ils arrivent à varier les musiques. Il y a des trucs un peu traditionnels, il y a des trucs un peu rock, il y a vraiment de tout dans ce Mario Kart. Et ça fait des ambiances très différentes sur chaque circuit. Et ça fait partie du plaisir du jeu aussi, ça. Ah, une petite bombinette. Je vais la chercher derrière moi, parce que si la mets devant, je suis bien capable de me la prendre moi-même. Et là, donc, c'est un circuit où il y en a quelques-uns comme ça dans Mario Kart. On ne fait pas des tours, en fait. C'est un circuit d'une longueur déterminée et on... on parcourt tout le circuit. Du point A au point B, on ne fait pas plusieurs passages par le même point. Donc du coup, ils sont plus difficiles à mémoriser, évidemment, puisqu'on ne passe qu'une fois... Oh non, non, mais pourquoi j'ai coupé ce virage? On ne passe qu'une fois l'endroit, voilà, mais j'avais oublié qu'il y avait le vide à cet endroit-là, peut-être, un peu.
Voilà, me voilà cinquième alors que j'étais premier. Non, décidément, ce championnat-là, c'est pas mon championnat. Oh, je me suis fait peur tout seul. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Alors là, c'est la dernière ligne droite. Je vois que tout le monde est là. Je ne pense pas pouvoir les rattraper. J'ai rien pour les rattraper. Et on m'empoule pour me souiller le visage juste sur la ligne d'arrivée. Voilà, bon, bah là, je suis pas sur le podium. Je pense qu'elle va pleurer, la pauvre petite Marie. Eh oui, quatrième. Même pas troisième. On va regarder les résultats juste pour le principe. Et peut-être juste avant ça, le ralenti. Voilà, bon, bah là, ce sera. C'est même pas du bronze. Non, c'est même pas de l'argent, c'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. Je suis un petit peu déçu. Parce que j'avais bien commencé. J'aurais voulu vous éblouir. Bah, ce sera pour une autre fois, pour les prochains DLC de Mario Kart. Voilà, les petits amis. J'espère que ça vous a plu, cette petite virée ensemble à bord des cartes de Mario et des nouveaux DLC. Moi, je vous les recommande vraiment. Je trouve que le rapport qualité-prix est top. Et puis, ça fait plaisir de voir un grand jeu Nintendo. Je trouve que ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de jeux sur la Wii U. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait des jeux comme Mario Kart pour rattraper un peu le coup. Et ça le rattrape brillamment. Allez, soyez sages. À bientôt. Ciao.